Ok, c'est bon. Bon, toujours en mode échange en cours. Alors, ce que je vais faire pour cette troisième partie, j'ai le choix. Est-ce que je fais des raids? Je crois qu'on en a assez fait la semaine dernière et je crois que Araka n'est pas là. Pour l'instant, tout va bien. Sinon, ce que je voulais faire, c'est... oui, faire du trafic de bébés, mais cette fois, on va changer les bébés. Je pense que ces boîtes-là, je vais finir par les jeter parce que... Moi, c'est un peu... relou. Alors, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de redéposer ce rémorette qui sert à rien parce que j'ai un octillerie et je sais pas où il est. On me l'a échangé en tout cas. Croquine, tu m'excuseras. Je vais te mettre à la boîte 3 au cas où elle me casserait les couilles, la dame. Voilà. Donc, je suis à Kickenheim, je suis téléporté exprès. Parce que je vais aller à la garderie. Pour la première fois, je vais commencer. Tu veux le récupérer? Allez, mon dernier évoli à la rigueur. Ça te m'en prend deux ou deux. Ça veut dire que là, il va me casser les couilles, c'est ça? je vais récupérer un Pokémon. Mon Mentali. Dans la boîte PC. Ça va. Non, je vais pas récupérer Metamorph. Je veux déposer un Pokémon. Oui, je veux que mon Simulart fasse l'amour avec Metamorph. Enfin, les mystères Pokémon. Ouais, j'ai de la thune. J'ai racketté 3 barman. Voilà. Cet échange. Si je chope le bébé en question, ça va chier. Putain. Arrêtez de m'envoyer vos culbutoqués, je sais que je vais devoir l'utiliser pour faire un bébé aussi. Putain, je vais... Ah merde, il est dans la boîte 3 l'autre. Putain de merde. Bon, j'ai changé le premier. Mais il a pu avoir un wall buffet niveau 1. Pas très bien compris. Bon, en attendant que mes Pokémon font douce avec quoi. Bon, on a un magnifique raid. On pourrait faire. Ok, bon. Oh putain, non. Je vais pas le faire. Et de la merde. Vous aussi essayez de capturer un Cerebou. C'est le fil rouge de la soirée. Capturer un Cerebou. Voilà, là j'ai de fortes chances d'avoir mon Cerebou. J'ai trouvé mes 3 arbres à baies, donc j'ai 3 chances d'avoir le Pokémon que je veux. Vous avez chopé des restes. Je veux le Pokémon. J'ai du cul pour des nouilles. Hein. Il y a 13 baies. Et là, c'est le Pokémon. Voilà. Oh, un ronge rigoureux, on s'en a rien à foutre. Qu'est-ce que je m'en tape, mais royal. Non. Pas de câlin. Trois baies citrus, 3 baies lune, 4 baies raisin. Et... Deuxième arbre. Il est apparu. Waouh, un seul baie citrus. Les chocos. Le Pokémon. Encore un. Wow, incroyable. C'est casse-couille. Hein. C'est très énervant. Si je puis dire.
C'est très chiant. Oh, j'ai perdu mes Bessitrus. Oh, tant mieux, parce que j'en ai rien à foutre. On est tellement des Bessitrus. C'est un arbre baie, voulez-vous les secouer? Oui, secouons les arbres! Secouons-les! Quel bon exemple, hein. Moi, j'ai du cul. Ah, manger mes Bessitrus. Et trois baies. Belga. Le 12, ça portait bonheur, non? Le Pokémon, ça y est, putain. Oh, incroyable, encore le même. J'adore, hein. Big Ben, il m'a dit que je devais secouer des arbres, je tombe toujours sur le même. J'ai croisé que ça sur les, dans les arbres. Les petits écureuils à la con. Les gros écureuils débiles. Le fouinette de la génération, le ratata de la génération, les gens diront. Allez, le Cubitoke japonais. Ah non, c'est même pas le Cubitoke japonais. Le japonais, il va me donner quoi? Ah, ça, ça me plaît, ça. Il me paraît très très clair, ce Crémy. Hein, vous trouvez pas qu'il est un peu trop clair, ce Crémy? Attendez une seconde. Il est très éblouissant, ce Crémy. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que c'est que ce Crémy? Ah, c'est un beau Crémy, hein. Ah, je le garde, hein, il a le Gigamax. Je le déplace et je le mets dans ma collection personnelle de Crémy, c'est le troisième. Alors, si j'ai bien compris, il m'en faut 8. J'en ai 3. Vous pouvez avoir d'autres Crémy, c'est cool. Voilà pour le petit passage. Alors j'en profite pour faire un truc parce que j'ai mon mentali qui est mal placé là. J'aime pas quand mes boîtes sont mélangées. Déjà que c'est le bordel dans déjà deux de mes boîtes. On va régler ce petit problème tout de suite. Ah, j'ai deux mentali en plus. Y a-t-il un Pokémon qui m'intéressait de garder? Oui, lui. Et lui, il m'intéresse. Faisons de la place. Tac. 9, on a des Bugang. Axoloto, allez hop. La boîte 1 avec Maestre. Oh là 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 là, j'ai une boîte qui est quasiment remplie là. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Toi aussi je te garde. Je vais te mettre avec le poulpe là. Il doit être quelque part par là, voilà, comme ça j'ai vu son évolution. Ouais, je m'en bats les couilles. Ça me dit Goupix, hein, ça te garde. Bon, on reprend. On a toujours pas réussi à choper le Goupix français m'intéresse. Et oui, il y a aussi ce petit truc, si vous voulez vraiment compléter votre Pokédex en mode hardcore, il faut avoir tous les Pokémon de toutes les langues. Donc c'est 400 x 8 ou 9 si je ne me trompe pas. Le plus chaud, je pense que c'est les Coréens. Faut vraiment choper un Pokémon coréen. Tu le gardes précieusement. J'aimerais bien qu'ils remettent l'autre papillon avec les régions différentes. Que l'échange miracle, t'as une chance de l'avoir. Bon, donc on va essayer de trouver un arbre à baie ici. J'aurai plus de chances d'avoir le Pokémon que je veux. Au revoir, Goupix. La Casta. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait une jolie boule. Ah, un Riolu. Terre. Pour l'instant, j'ai de la chance, il n'y a aucun de mes évolis que j'ai envoyé qui m'a été retourné aujourd'hui. Alors, le Riolu niveau 1 et un Riolu niveau 1. Vendu.
Est-il un arbre à baie par ici? Non? Juste l'air con, quoi. Il y a un petit raid là-bas. Attention, des trio piqueurs, faut les esquiver! J'ai roulé sur un trio piqueur. J'ai tué un trio piqueur. Non! Il a assassiné. Le pauvre trio piqueur. C'est pas ma faute. Tu étais sur mon chemin. Merde, j'ai pas croquine, il faut que je récupère. J'ai dû récupérer croquine, je suis con. Berserkat. Pas les couilles. Et what? Encore? Putain, ils sont tous comme ça ou quoi? Je m'en fous de ce raid. Je m'en bats les steaks. Je vais pas avoir un Doumata ici. Allez. Ah. Échange. Magnifique Riolu, allez hop, dégage. Et puis au cul. Je vais avoir un autre Crémy, c'est bien ça Crémy. Oh, un Barpo. Et magnifique. Un Barpo anglais. Tellement content que je vais l'échanger tout de suite. Ah ouais ouais ça c'est direct. Je dis pas. Ah le mec il va être content d'avoir un Barpo. Putain, il y a un minimum de respect quand vous faites vos échanges miracles les gars. C'est scandaleux d'envoyer des magicarts comme ça. Là. Bon, ça évolue en Léviator qu'on m'a dit, mais... Même. Bon, pas les couilles. Envoyer magicarts pas céleste. On est passé d'un Pokémon aquatique pourri à un Pokémon sol plutôt sympatoche. Et il est chinois. Pokédex, il va avoir tous les langages de l'univers, c'est génial. Je crois qu'il y a le record, c'était dans Pokémon Soleil. J'avais tellement reçu le même Pokémon, mais sur toutes les langues différentes, que mon Pokédex, je pouvais le traduire sur au moins 7 langages. Faut que je revoie l'épisode Échange Miracle en question. C'est vrai que je regarde quel genre d'aura ils ont autour d'eux quand ils sont shiny. À moins que c'est pas comme dans Let's Go. Hein. Là on voit leur aura, y a pas de problème. Merde. En fait la seule particularité de cette aura c'est de récupérer des watts quand on les combat. Enfin, quand on les a battus, hein, parce que là je vais pas le battre. Bon, on va vérifier si l'autre arbre à baie il a repoussé plus, non? C'est-à-dire que c'est le seul arbre à baie où j'avais la chance d'avoir mon truc. Oula, à H3C70I2. Putain, c'est un hacker. Ça se garde. Un starter haut, ça se garde. Même si j'en ai déjà un, ça se garde. Le seul starter que j'ai pas vu à l'échange miracle, c'est celle de type plan. J'ai bien fait de commencer avec lui. Quelqu'un veut un Berserkart qui pue là? Bon, petit avantage de Pokémon Home là-dessus. Il te casse pas les couilles avec les traductions. C'est traduit dans toutes les langues dès que vous l'avez mis dans la boîte. Donc il y a des avantages aussi. Alors que là, non, mon Pokédex il a. Complète bien quand même. Bon, j'ai récupéré mon petit croquinou là. Il est où croquine? Motisma dans cette boîte.
Et ici. Bon. J'ai pas le choix. Sinon, je vais passer 2 heures sans un Pokémon ultra facile à capturer. Et dans cette version, c'est chiant. Enfin, j'ai plus de chances de l'avoir là où je pense. Ok, ça va. Allons nous téléporter directement. Mais c'est quand même 5%, hein, c'est très rare. Il est là. Tant que j'ai fini mon échange miracle. Voilà, comme ça on va choper les vrais arbres à baies. Et dégage, Azura. Azura, tu me donnes des trucs bien ou pas? Très cool, un bouton. Mais... Woulou! C'est avec un Y, mais c'est pas grave, dommage. Ça aurait été fun. Je le garde quelques temps quand même, par respect. Hey, je vais bientôt avoir un Evoli dans mon équipe à l'échange. Bon, il y a des arbres, je sais pas où ils sont les arbres. Merde. Ah, j'ai fait des crosses là. Ah bah voilà un arbre. Okay. Secouons-le! Évidemment! Secouons-nous cet arbre magnifique! Maltraitons les arbres! Ah, direct! Et voilà, encore un écureuil de merde, voilà, c'est chiant! Là, ils ont voulu copier le truc coup de boule de version argent. Ce qui est bien, c'est que le truc coup de boule. T'as l'avantage que tu peux le refaire. Là, ben, je peux plus le faire. C'est un arbre à baie, mais il n'y a rien dessus. Ouais. Du coup, c'était le seul arbre de la route, j'imagine. Ouais, j'ai écrasé une gamine. Secret ici, passage secret. Hein, passage secret, hein. Je peux pas passer. Peut-être après. Avec le DLC. Il y a des bugs gore ici. On s'en fout, c'est la merde. Dis-moi juste. Un prout. Un prout sauvage apparaît. Je cherche un putain de Seribou, je tombe sur un moufouette que je n'ai pas non plus, c'est trop bien. Bon, c'est pas grave, je serai des bébés. J'ai maman Seribou, donc y a pas de problème. Pas d'XP, on est loin. Ah, et moufouette il est dans mon équipe, c'est trop bien. Ah non, j'ai dans mon équipe. Qu'est-ce qui est pas censé être dans mon équipe? Ah non, c'est bon, je crois que j'ai rien dit. Ah, on a envoyé Bunelli à Josh, très bien. Encore cette merde de mise en. Très bien. Ça a branlé de m'envoyer leur Pokémon de merde. Moi, je ne fais que rendre des Pokémon qu'on m'a envoyés. Hein. Chacun sa merde. Mais je pense qu'il y a plein de Pokémon qui sont à l'échange pendant des semaines et des semaines comme ça. Alors voilà, celui-là, il est français, donc j'en ai rien à foutre. Priorité aux Pokémon français, évidemment. Et après, pour ceux qui disent que je suis raciste, la preuve, je me débarrasse des Français en premier. C'est chiant à capturer. Enfin, c'est très chiant. Hein. Ouais, c'est trop chiant. Je vais marquer. Ah bah oui, je l'ai pas celui-là. Ah bah on a quand même capturé plus d'une dizaine de Pokémon ce soir, c'est cool. Ça se sauvegarde. Hein.
Oh, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va me donner un super Pokémon de ouf. Alors que je ne fais que rendre des Pokémon de merde. Encore ! C'est le troisième, hein, c'est le... Banni, envoyé de répit. Pourquoi il y a un vieux truc là-haut ? Attendez, j'ai arrêté. Il a battu un Krabos. Un Krabos avec une barbe et tout. C'est quoi ce délire ? C'est un Gigamax ? Non, c'est pas un Gigamax. Krabos Gigamax, ça n'existe pas. C'est vrai, moi. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça en ville. Cette pauvre merde. Bon, allez, on va faire évoluer les Pokémon, là, ça y est. On commence à en avoir marre. On va finir la soirée. Je vais aller dans ma zone que j'aime bien. Pour aller XP un peu. On a même 5 Pokémon à faire évoluer. Là, on va se balader jusqu'à ce que notre Evoli éclos. Une fois qu'Evoli aura éclos, je le mettrai dans une boîte. Enfin, je retournerai à la garderie. J'échangerai le nouvel œuf que j'aurai. Et on va faire ça comme ça, un par un. Alors là, on a un poisson roi, très bien, allez, boum. Oui, c'est la méthode la plus lente de faire XP ses Pokémon, mais je m'en fous. Plus c'est long, plus c'est bon, comme ça j'ai encore plein de séances de Pokémon à faire. Ouais, trop cher. Coup critique! Ah, ça monte vite là. Par contre, les. Pas bien qu'il m'envoie un même Zai, je le défonce. Ah, un Spectrum. Je vais préciser que j'ai déjà un ectoplasma. Envoyez Apollo. Très bien. Bah oui, évidemment, je suis trop con. Hey, qui m'a envoyé un spectrum à l'échange, bah oui. Et j'ai un ectoplasma. C'est magnifique. Apollo a évolué en ectoplasma, très bien. Bon, je le garde quelques temps, mais je l'échangerai. Et on a fait bugger le truc. C'est lequel, on s'en fout. Les trois échangés. On a échangé deux d'affilée. Intimidation qui va baisser mon attaque. Logique. Mais si, t'inquiète, il est gratuit. Hydrocanon fait 0 dégâts, très bien. Double tambour. Coup critique. Latrice niveau 31 par contre va pas tarder à évoluer. Machination, on s'en fout. On est dans le secteur où les starters évoluent généralement. Hop là, des mentors. Peut-être pouvoir envoyer Gorythmic d'ailleurs au fond là. Là il n'y a que du gros. Petit tambour battant.
AB évidemment. Hein. Ah, tu l'as one shot, c'est bien ça. Ça me fait plaisir. Alors, Datrix niveau 32, est-ce que c'est bon ou pas? Non. Non, j'ai effectué. Je viens de capturer un Cerebou, tu le veux? Oui! Je veux un Cerebou. C'est pas ce que tu veux toi, mais je veux un Cerebou. Voilà, je t'échange ce magnifique Magikarp que je viens de recevoir à l'échange. C'est un Magikarp japonais. Je suis sûr que ça t'intéresse. Prépare si tu veux. Change réseau. Mot de passe. Voilà, le même mot de passe que tout à l'heure. 4769. Après, je peux te le rendre si tu veux. Et juste pour compléter le Pokédex, j'ai son évolution depuis le début. Donc ça me fait gagner du temps. Ça serait cool. Alors, est-ce que t'es prêt ou pas? Quand tu auras tapé le mot de passe, tu me le dis. Que je puisse appuyer sur OK, qu'on appuie en même temps, histoire de bien se croiser. C'est la première fois que je vois personne sur le Discord d'ailleurs. C'est bon, 3, 2, 1, top, avec le décalage. Ok. Il fait tous les Pokémon. Une jolie plume. Ouais, c'est bon. J'ai dit que j'ai changé un Magikarp japonais, ça vaut le coup. Ah, il l'a accepté. Après, je peux te le rendre, ton Cerebou. Hein. J'ai dit que j'ai son évolution en mode fleur. Là. Bon, après, qu'est-ce qu'on pourrait s'échanger à nouveau? Je peux te rendre ton Cerebou si t'as autre chose à proposer qui serait qui compléterait mon Pokédex. Par exemple, t'as un Barpo, t'as un Coupenot. T'as Non, c'est bon, d'accord. Bon bah je garde le Cerebou du coup. Waouh, excellent. Votre Pokédex a progressé. Il va chercher un Krabby. Très bien. On va choper un Krabby alors. Oui, je veux la carte de Big Bad K. Je repropose le Cerebou quand même. Il veut me rendre mon Magikarp. Je ne sais pas. Est-ce qu'il veut annuler l'échange? Je ne sais pas. Dans tous les cas, le Cerebou, il va être de côté. Ça me fait de la place pour tous les Pokémon de merde là que j'ai encore à me débarrasser. Sauf le starter O. Le starter, j'en veux pas. Et 5, 4, 3, 2, 1. On a rendu mon Magikarp, j'ai rendu. On est bon. C'est pas comme si j'ai changé Zacian et qu'on m'a mis en gage un Jirachi Shiny, hein, donc c'est pas la même. Même si je gagnais au change. Hein. Charmy, le nom me dit rien, je vais vérifier. Charmy. Ah non, je l'ai pas, j'ai 1 million de crémi. Bon.
Exceptionnellement, je vais commencer à utiliser mes crémis alors. Alors, ça c'est très simple, tu vois, t'as des crémis. Ok. Est-ce que t'as des crémis déjà? Je peux pas t'échanger ces crémis là, ils ont le Gigamax. T'as un crémis ou t'as pas de crémis? Il faut ça hein, pour faire Charmille. Je me demande si. Non, je vais pas arrêter, mais. Surtout, j'ai un crémi qui pue, là. Quand je dis qu'il pue, qu'il n'y a pas le Gigamax. J'ai un Solarock, si t'as un Celerock, c'est bon. Ah putain, j'ai un Rhinophéros. Attends, j'ai un objet ou quoi? Ah, je peux pas. Faut que je vérifie si je peux lui donner le truc. Un sucroquin, mais j'ai pas l'objet qui va avec. J'ai affronté 6 fois les barman, ils m'ont rien donné. Ils m'ont donné de la merde, ils m'ont donné des lémeumeux. Là, j'ai que des crémis Gigamax, dont un japonais. Hein. Big Ben ne me répond pas. Faut que t'affrontes les barman des cafés là qui te donnent des objets. Ouais, t'inquiète. Je suis en train de les regrouper, donc y a pas de problème. Mais Charmilly, je l'ai pas, mais je sais que je peux l'avoir facilement, donc y a pas de problème. J'ai un Tractopelle et un Dectoplasma. Là, j'ai un Match Hopper à récupérer. Je veux pas me faire plaisir. Et où Match Hopper? Ah, c'est que j'ai pas l'objet. Enfin, je l'ai pas équipé l'objet. Et où Match Hopper? Avec les Pokémon combat. Voilà. Et je crois que j'ai. Non, j'ai déjà ma cogneur, je suis con. Donc deux avec les Gigamax. Bah attends, je sais plus où j'en suis avec mes Excuse-moi. Bon, je vais capturer un Krabby. Ça, je verrai. Ah, j'ai pas de Tarsal. Il y a que les bébés que j'ai pas. Maintenant, Croquine, il va évoluer, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai pas de rose bouton. J'ai pas de rose bouton, là. J'ai un marque à crin, ça c'est bon. J'ai pas le bébé de Kaorin. J'ai pas le bébé de Xatu, donc Natu. J'ai pas de Ningal. Oui, c'est bon, le Papillusion, c'est bon. C'est le premier que j'ai eu des trois. Ah, il y a deux Pokémon que je ne connais pas. Là, j'ai pas le bébé de Miasmax. Ah d'accord, ça évolue. Merde. J'ai deux Rhinolove, j'ai pas de chauve-souris. Oh, Sony Strike, je l'ai pas. Je pensais que je l'avais capturé. Attendez, bougez pas. Sony Strike, je sais où c'est juste à côté. J'en ai croisé depuis tout à l'heure. Et là, juste là. Oui, je veux le neuf. Merci. Je vais l'inclure. Bah, l'autre œuf, dégage. récupérer. Merde, non, pas récupérer Métamorph, putain. Quel con, c'est l'autre. Oui, c'est lui que je veux. Bon. Je veux te confier un Pokémon. Oui. Je veux te confier mon Métamorph. Ça, c'est bon. Et je veux confier... Goinfrex, j'ai. Y a pas un garde-voir, faudrait qu'il soit adulte quand même. Je crois que j'ai pas de garde-voir. J'ai pas de Galaminou. Désolé Kirlia, mais il va falloir que tu fasses un effort. Y'a pas un autre Pokémon plus important à avoir en bébé? C'est de voir si je peux pas avoir un bébé plus...
Crémy, va faire des bébés Crémy. Ça c'est bon, ça n'a pas de problème. J'ai pas de roserade. Et Wellmer, j'ai déjà voilà. Alors... C'est bon. Atrox, c'est bon. Oh, j'ai pas de baby manta, il me semble. Je m'en fous un peu pour l'instant. J'ai Goopix. Feuille, j'ai des granules. C'est bon. Le Winfrex, c'est juste là. C'est voilà, ça c'est sympa. Et le bébé de. J'adore ta carte. Ouais, putain, j'ai gâché 500 Pokédollars, t'es chier. On fera un petit soin avec Metamorph. Reviens à nous quand tu veux récupérer tes compagnons. Alors, des Sony Stretch, j'en ai là. Ouais, comme par hasard, je sais qu'il faut que j'en capture. Ah, il n'en est plus, l'enculé. Quel jeu de bâtard. 200 watts. Un bon bidou. Ils sont là, les Sony Stretch. Je les avais vus. Il est pas minuit. Non. Putain, en plus il est rare. Putain, j'ai l'air con. Je croisais que ça depuis longtemps et comme par hasard, maintenant que je me dis il m'en faut un, j'en vois plus. Oh Dieu. Là, il y en a un. Il faut le pécho. Yeah yeah yeah. Ouais, non, c'est vrai. Je savais pas du tout. Oui. T'inquiète, j'en ai plein des raids. Et la capture directe. Tada. Ouais, d'XP. Bah si on allait capturer un Krabby. Apparemment il y a des Krabby là-bas. Par contre il va falloir les pêcher j'imagine les Krabby. Ah là 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 là, je l'ai vu. Il va revenir. Et voilà un Krabby, un beau Krabby. À mercredi. Voilà un beau Krabby. Magnifique. Il est beau le Krabby, il est beau. Il est magnifique. C'est un Krabby sauvage. Ça se capture comme ça. Très facile, totalement gratuit. Ah, Latrix. Ok pour Latrix. Latrix. Mise à jour. Excellent. Ah, il y a un Caninos, c'est des rapions à l'est. Non, dans la boîte. Oh, ça c'est bien ça. Bon, on reprend. Non, l'autre côté. Bordel, mes boîtes. Non, l'autre dépris. Non, j'ai le japonais, je le garde. Enfin, je le garde pour l'instant. Hop. Recherche un partenaire. Paf. Voilà, ça c'est bon. Oh, let's go, allons chercher l'autre Pokémon. Non, putain, maman, maman m'a suivi jusqu'ici.
cas, ça veut forcément dire que l'autre côté, je m'en suis bien occupé. Maintenant, ici, il devrait y avoir des rapions, c'est ça? Des caninos par temps de froid. C'est de ma gueule un peu, non? On est d'accord, hein, c'est pas... pas très légal, ça. Je vais revérifier parce que c'est pas bon. Oh, c'est cool ça, je l'ai pas. Parfait. Ah, quoi? Et encore un bébé. C'est fait. Nickel. Ah, les bonnes nouvelles, hein. Ça arrive, les bonnes nouvelles. Tiens, wolo, allez, dégage. Non, c'est bien là, hein. C'est pas route 7, c'est... un peu plus au sud, quand même. Un petit peu plus au sud. Voilà, ça doit être quelque part par là. Là, il y a plein de caninos, c'est plein de... ouais, vachement, hein. Pourquoi il y a Scalenox là? Pourquoi il y a plein de Scalenox? Pourquoi il y a des culbutokés de mes couilles là? Pourquoi il y a que de la merde? Oula, attends, j'ai vu un... ah ouais, 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 j'ai vu un truc bien. Toi, tu m'intéresses. Ah non! Non, 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 c'est pas toi que je veux. Non, 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 tu m'intéresses pas finalement. Excuse-moi. C'est pas toi que je veux. Ah si, je te veux toi, mais... en version miniature, ça serait bien. Oh putain, il y a un Mysticrix. C'est une femelle, ça. Ah non, c'est un mâle. C'est les femelles qui sont bons ? Mais quoi, dégage. Oh bah. Oh putain, j'ai 10 minutes pour essayer d'avoir le troisième. Oh putain, énorme. Un flamme yaou. Ouais, bon, on peut avoir des coups de chance, hein. Oh, les joies de l'échange miracle. Après plusieurs heures de tryhard, on finit par avoir des Pokémon ultra intéressants. Oh non, je crois que là, il n'y a pas de Rapini, il n'y a pas de Camino. Toujours des Zippo-Tipotos. Il... ah, ça c'est mon œuf. Memzai. Memzai live. Quoi? Je me suis fait arnaquer. J'ai eu un putain de similarbre. Alors là, c'est la grosse blague de merde. D'accord, le système des bébés est buggé, ça marche. C'est-à-dire que là, je vais avoir un culbutoké, c'est ça?
Récupérer un Pokémon. Le Culbutoke. Et là, je dois mettre... Non. Je confie un Pokémon. Je sais même que je voudrais remettre, ça serait... Je peux pas reproduire des crémies. Là, je ferai des trafics de crémies. Non, non, ils sont petits. Pas facile, hein, pas facile. Mais décide. J'ai pas grand chose, hein. On pourrait avoir un Tarsal à la rigueur. Allez hop. Encore ! Ça me casse les couilles. Il n'existe pas dans le bouclier épée. C'est pas normal. Alors qu'est-ce que j'ai dans mon Pokédex qui est pas bon avec mon similar ? Là, là, il y a un truc là. Ok, on va le capturer autre part. Hello, Manzai, le bébé de Simular. Bah oui, mais si tu éclos un œuf et que ça devient un Simular, tu comprends pas trop ce qui se passe, tu vois. Je me suis fait carotte par le jeu. Je voulais un bébé Simular, mais j'ai eu un Simular en guise d'éclosion d'œuf. Ça va être dégueulasse. Ouh là là, mais il y a plein de ninjas ici. Oh ouais, ouvrifière, non. Je vais faire ça un peu vous, non. Il est magnifique. Le démon. En production de similaire avec de l'encens rock. C'est un peu. Pas si j'ai dans... Faut que je vérifie si j'ai de l'encens du coup. Okay. Bon, je crois que je n'ai... Ah oui, je crois savoir où est-ce que je peux récupérer de l'encens. Je suis con. C'est pas un petit peu cher quand même. Ça veut dire que l'autre œuf que je viens de récupérer, il va pas... Ah bah voilà, Croquine qui vient d'évoluer. Très bien. J'ai besoin de la faire évoluer, elle. Ça, c'est bon. Un Pokémon de plus dans mon Pokédex. Ça, c'est un Zigzaton, je m'en fous. Je vais bien capturer ça pour avoir son bébé. Enfin bref, je capture ça et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah.
Bellatrix niveau 34, Groldra niveau 43, encore 7 levels pour un... Bellatrix, je sais pas. Il évolue ou pas. Ouais, je vais pouvoir le remplacer par Flamiaou. Donc du coup, lui, dans la même soirée, je l'ai eu à l'échange miracle, au premier échange miracle, et j'ai eu le temps de le faire évoluer. C'est pas beau, ça? Fille sombre, oui, très important. Hop, on remplace avec étonnement, très bien. Si je le fais pas, je vais me faire défoncer. Hein. Pas envie de créer des scandales. Eh bien, j'ai mis le tisson, tout va bien. Donc, je peux. Hop. Bon. On est pas mal aujourd'hui. Continue à faire quelques hors stream histoire de continuer un peu plus de compléter parce que ça va devenir de plus en plus compliqué. Évidemment, je pense que je vais me faire encore un peu aider. Dans la logique des choses. Le bordel! J'ai bien sagement dans leur boîte. Le tri. Donc pourquoi j'ai un Krabi là? Pourquoi j'ai un... Après, c'est pas très grave qu'il reste ici. Krabi, tu vas là. Donc, le crabe, bon, on me l'a échangé pour compléter mon Pokédex. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Mon petit œuf là, hop, je vais remplacer le point d'île. Toi, tu vas aller chez les plantes. Là, tac. Toi, pareil. Hop. Tangali, j'ai plus besoin. Ah, il me faudrait un... Je demanderai en live. Donc toi, tu vas aller direct à la boîte des échanges. Merde. Non, pas toi. Excuse-moi, Simularme. Excuse-moi, m'en veux pas. Hein. Le Simularme en question, il est déjà dans la boîte. Pas de problème. Le tractopé, ça je le prends, je l'ai pas. Yon. Je pourrais pas faire des échanges après. Hier. Hop, 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 hop. Je crois que je suis bon là. Ah non, j'ai encore le. Je vais aller chez les électriques parce qu'il n'y a plus de place chez les. Hop, côté de l'insecte. Et il faut que je récupère c'est Flamiaou, t'es là. Ah putain, il y a déjà un bon level en plus. Il est déjà niveau 13. Ok, c'est bon. Voilà. On est bon. Une grosse sauvegarde pour fêter ça. On est à 315 Pokémon. J'étais à 297. Presque une vingtaine de Pokémon encore aujourd'hui. C'est très bien. Bon, Rapion et Canino, c'est mort pour aujourd'hui. Vu leur... je pense que je vais m'arrêter là, évidemment, pour aujourd'hui. Ah putain, c'est vrai qu'il y a encore les bébés Meloufé et tout. Oh non. Et là, il y a plein de dragons de merde. Il y a un Mucuscule que je pourrais faire évoluer. Oh putain, j'ai un Embryodex, ça chauffe. Bon, type 0, je verrai ça la semaine prochaine. Je vais regarder où est-ce qu'il faut que je le capture. Bon, lui, je l'ai raté, j'ai l'air con. Lui, je l'ai raté, j'ai l'air con. Lui, faut que je le capture aussi. C'est le rock, c'est bouclier, si je ne me trompe pas. Grelasson, je sais où je pourrais en trouver, y a pas de problème. Les baby manta, j'en croise plein, donc il faudrait que je pense à en capturer au moins un. Ça, je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Le Boumata, on verra. Ça aussi, c'est un bouclier. Le bébé des Irlandes, on verra ça un autre jour. Oui, Messire. Ouais, d'accord. Le café, il est. Enfin, le couple. Le coupe-note, quoi, le coupe-note, ça c'est ma plus grosse perte. Hein. Quoi? Wilfish évolue pas? Si? C'est pas Wilfish qui évolue en Sharpedo? Un problème là. Moi que c'est un Wilfish de Galard qui évolue pas. Ah non, je confonds peut-être.
Ah, Quillfish il évolue pas. Pardon, je pensais que Quillfish il évolue. Alors, c'est quoi qui évolue en Sharpedo? Ah ouais, aussi c'est douloureux, putain. Quoi? Mais c'est révolu. Alors là, j'apprends des trucs. Le Rapion, bon, je le rate aujourd'hui, c'est pas grave. Là aussi, il faut que je chope les 4, là. Nucléo. Bon, le scruté, là, j'essaierai de le capturer plus tard. Le Doudouvet, pareil. Le Togepi, je vais. Le Mélo. Les Menzaï de merde! Capturer normalement. Le Tritox. Encore tellement de taf et c'est que des bébés. Le Coraillon. C'est que c'est dans une grotte, mais on va un peu les couilles. Bon, voilà. Vous avez vu, j'ai encore pas mal de taf, hein, surtout vers les derniers, parce que dans les premiers, c'est bon, on commence à bien compléter. Donc je vais re-sauvegarder, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve du coup mercredi. Du coup, il y aura Big Ben, il y aura le Doc, il y aura Raka, il y aura peut-être aussi Marticore. Ils seront tous là pour l'OTK Live de mercredi. On se retrouve ensuite samedi pour notre séance de souffrance. Enfin, pour moi, souffrance, pour vous, de bonheur, qui est sur Super Mario Maker 2. Et on se retrouve la semaine prochaine avec ma progression hors live de Pokémon version épée. Voilà, sur ce, moi, je vous dis bonne et plus. Je vous fais, Jean.